Mademoiselle, pourquoi t'as expulsé de la salle de compo? Monsieur, on dit que j'ai triché. On dit que tu as triché comment? Vous êtes combien de personnes? Il y a d'autres filles, elles sont plutôt de l'autre côté. Le surveillant général est venu nous enlever de la salle disant qu'on a triché. Donc le surveillant général a juste dit que vous avez triché, pourtant tu n'as pas tant triché. Monsieur, je ne sais pas sur quoi il s'est basé, monsieur. Ok. Comment tu t'appelles? Kémo Sangré. Kémo Sangré. Qu'est-ce que c'est votre poitrine? Ce sont mes seins. Ce sont tes seins? Oui, c'est quoi ça? Sors-moi le bout de papier là. Monsieur, c'est juste le voulant, monsieur. Je ne voulais pas tricher. C'est juste le voulant, monsieur. Je ne voulais pas tricher. Tu ne voulais pas tricher? Oui, ok, je comprends. Et le bouillon qui ont les réponses de l'épreuve? Monsieur, j'ai juste mis ça pour apprendre en route en venant. Et qu'est-ce qui te fait paniquer? Pourquoi monsieur, tu paniques maintenant? Non, monsieur, c'est juste la nature de mes mains, monsieur. Et regarde, regarde, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vois dans ta paume de main là? Monsieur, c'est juste une définition. Je voulais apprendre après la vie avec. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, je peux t'aider. Tu me suis? Je veux que tu sortes tout ce que tu as sur toi comme bout de papier. Tu me le présentes. Je sais que tu n'es pas une tricheuse, mais sors-moi tout le bout de papier, tout ce que tu as comme bout de papier sur toi. C'est juste les bouillons, je ne voulais pas tricher, monsieur. Les bouillons qui ont les réponses de l'épreuve. Monsieur, je voulais juste apprendre avec, à l'heure que l'épreuve devait passer, devait jeter, monsieur. Maman. Monsieur, c'est juste les bouillons, je ne voulais pas tricher, monsieur. Oui, vas-y, vas-y, je sais que tu ne peux pas tricher. Même dans tes fesses? Non, monsieur, sûrement j'ai oublié quand je m'habillais, monsieur. Je ne voulais pas tricher, monsieur. Je ne voulais pas tricher, monsieur. J'ai oublié seulement ça sur la tête, monsieur. Sûrement ma petite soeur a mis ça sur ma tête quand elle dormait, monsieur. Je ne voulais pas tricher. Elle est venue mettre les réponses, les preuves sur toi. Regarde, ça sort de partout sur ton corps. Mon Dieu. C'est grave. Je ne voulais pas tricher, monsieur. Sûrement si c'est seulement resté dans mes chaussures quand elle m'habillait, monsieur. C'est seulement resté dans tes chaussures. Monsieur. Dépose tous ces papiers au sol. Tu as tout retiré sur toi. Oui, monsieur. Ça fait combien de fois que tu composes le bar? Ça, c'est la cinquième année, monsieur. Cinquième année que tu composes le bar? Oui. Et tu t'es tout comporté comme ça? Oui, monsieur. Tu habites avec qui? Oui, ma grand-sœur, monsieur. Ta grand-sœur, elle travaille quoi? Elle est coiffeuse. Elle est coiffeuse. C'est donc elle qui te permet de t'habiller. Regarde d'abord ton accoutrement. Regarde comment tu t'habilles pour venir composer. Regarde les ongles. Regarde l'habillement, la coiffure. Tu es candidat libre, ça te donne la liberté de t'habiller comme tu veux. Tu respectes même pas l'examen, les épreuves qui sont devant toi. Quand je parle, ça t'étonne, tout ton habillement, ça t'étonne. Tu n'as pas tant triché. Monsieur, je ne voulais pas tricher, c'était seulement les bouillons. Quand chaque épreuve devait passer, je devais jeter, monsieur. Je ne voulais pas tricher, monsieur. Ok, vas-y, le chargé de mission t'attend. Tu n'as pas tant triché.